和苗圃苗圃的计划能够顺利实施。Une fonction de membre de ce pépinière, minime consortium, a engagé en début d'année, respectant le principe du contenu local, trois ONG guinéennes qui sont les suivantes: Volontaires pour le développement durable, Jeunes amis pour le futur, Guinée Émergence pour la valorisation des initiatives communautaires. Ceux-ci ont pour mission de créer 13 petits groupes composés de pépiniéristes venus des communautés locales. Ces trois ONG sont aussi chargées de former ces groupes à la gestion de leur pépinière pour qu'ils atteignent une autonomie. Je profite de cette occasion pour remercier les trois ONG pour l'accomplissement de leur travail dans la création et la formation de ces groupes de pépinières. Les pépinières du département Biodiversité et les conseils Minou Consortium et les organisations de recherche internationale contribuent sur le long terme. Nous avons créé 5 pépinières à date. La pépinière de Saint-Mélin, à date, nous avons 97 740 plants qui sont dans la pépinière de Saint-Mélin. Pour faire le reboisement de cette année, cette pépinière est capable de vous donner 31 011 plants. Et il y a 10 espèces qui se trouvent dans cette pépinière. Ce sont des espèces locales. Et au niveau de la soya, vous avez 60 190 plants qui sont actuellement disponibles au niveau de la pépinière. Et vous avez 14 205 qui sont prêtes pour être reboisées. Au niveau de cette soya, là où on est actuellement, là, nous avons 83 925 plants et nous avons 10 240 qui peuvent être reboisés cette année. Au niveau de soya, vous avez 68 712 plants et vous avez aussi 12 987 qui sont reboisables pour cette année. À Ourekaba, vous avez 73 377 plants et vous avez aussi 12 987 qui sont reboisables cette année. Pour un total de plants disponibles dans les 5 pépinières, 383 944. Les plants qu'on peut reboiser cette année, c'est 95 383. Le développement durable est une approche de développement qui vise à concilier dans toute activité humaine que nous sommes amenés à mener sur Terre, concilier trois intérêts. L'intérêt des communautés, la conservation de la biodiversité et la croissance économique. La conciliation de ces trois éléments qui paraît parfois difficile ou impossible, est réelle et possible. Et cette activité à laquelle nous participons s'inscrit dans ce cadre. En ma qualité de secrétaire général chargé des collectivités de Guinée, nous allons veiller à ce que ça soit exécuté dans les règles de l'art. C'est vrai, il faut reconnaître, ces ONG qui ont gagné ici le marché doivent l'exécuter avec mes services techniques dans les règles de l'art. Donc nous allons veiller effectivement par rapport à ça. Et nous allons vous dire que vous pouvez compter sur nous par rapport à tout ce qui a été fait. C'est vrai, ces plans ont été des plans locaux au niveau de la pépinière. Donc nous vous disons que l'entretien ne va pas poser de problème. Nous demandons à ces communautés de pouvoir l'entretenir avec de très bons soins. Donc on va slogan, on va donc on va donc on va